Goedenavond heren, welkom op de persconferentie na de wedstrijd, na deze vijfde speeldagwedstrijd gespeeld tussen Roeselare en Virton. Match geëindigd op 1-2. Soyez le bienvenu au collègue francophone. On commence avec une analyse de match du côté de Virton. Franck, petite analyse. D'abord, je vais m'excuser pour... Je vais m'exprimer en français. Je redoutais ce match en pleine semaine, un très long déplacement. Virton un peu dans l'euphorie après deux victoires. Je savais qu'il y avait un danger face à une équipe qui était à la recherche de points. Et ça s'est vérifié. On n'était pas bien en première mi-temps. Aussi parce qu'on a visionné Roulers et on a été très surpris par la disposition des joueurs de Roulers. Je pense que c'est la première fois. Cette saison qu'ils aient évolué de cette façon. Et on n'a pas trouvé les solutions dans le milieu. On n'était pas, quand on voit le but, où on est, je pense, tout le monde est spectateur. Je dis, il y a encore un contrôle de la poitrine, passe, Camozzato ne va pas au sprint, il met encore le bas. Bah, c'est beaucoup trop facile. Il n'y avait pas d'impact physique, on était trop loin dans les duels. Je pense que le tournant, bon, en deuxième mi-temps, on adapte aussi notre système. C'est un peu mieux, mais pas top. Et puis là où, et ça malheureusement c'est le foot, heureusement pour nous aujourd'hui, mais là où ça doit être 2-0 avec une frappe splendide de Kennedy. Mais l'action derrière c'est égalisation, et là on sent que Roulers a pris un coup sur la tête. Et que, et aussi quand une équipe n'est pas en confiance, elle... Et quand on revient, on marque un but, je pense qu'on descend tout de suite d'un cran. Et puis alors, bon, ben, faut dire qu'on met deux buts magnifiques aujourd'hui aussi. C'est la, je dirais, la différence entre une équipe qui est en confiance et une qui l'est moins, qui est à la recherche de points. Une équipe en confiance, ça fait 10 sur 15, je pense, pour vous, maintenant. C'est exact, oui. T'avais expecté en avant ou... Je suis... c'est une phrase bateau, mais moi je suis focalisé toujours sur le prochain match. Et jamais avant un championnat, je peux dire je vais obtenir 10 sur 15 ou 6 sur 15 ou 15 sur 15. Je pense qu'on doit préparer le match suivant. C'est ce qu'on fait depuis maintenant pour moi, pour la quatrième saison. Et je ne vois pas plus loin. Merci beaucoup. Frankie heeft opnieuw niet mogen zijn. Nee, dus ik denk dat... Allee, ik denk, bij ons is de ontgoocheling totaal, denk ik. Hè. Wat we wilden vandaag was op voorsprong komen. Dat is ons ook gelukt. En dan vanuit een goede organisatie. We wouden absoluut niet te veel risico's nemen. We hadden een goed blok neergezet, inderdaad, in een, zowat in de opstelling van vorige week in Lommel, de tweede helft. Dus we slagen erin op voorsprong te komen met vanuit ons standpunt gezien natuurlijk wel een mooi doelpunt. Verschillende stationnetjes, met geduld ook opgebouwd en mooi afgewerkt. Dus we waren denk ik nog één keer gevaarlijk via Saoudi. Maar ja, op een of andere manier zit het ons ook niet mee. Hebben we dan de pech van die bal op de paal, waar we dan misschien helemaal het verschil hadden kunnen maken. En ja, in de plaats van dat gebeurt, krijgen we een koude douche met op een vrijschop die er eigenlijk nooit had mogen komen, omdat we die zelf een beetje op een stomme manier veroorzaken. En dan worden we nogmaals eens geklopt op een hoge bal. En inderdaad, toen waren we een beetje het vertrouwen kwijt, want het begin van de tweede helft was duidelijk nog voor ons. Maar nadien, ja, dan lukte het niet meer om het om te zetten. En nog wel geprobeerd hè, met chef erbij te zetten. Om toch wat meer... omdat Ricky kreeg het moeilijk. Hè. De jongen was voor het eerst aan de aftrap. Ik had hem gezegd van geef alles en dan stoppen ze stoppen. Het was op. Maar goed, op dat moment zijn de mogelijkheden voor mij ook niet zo groot om op dat middenveld iets te doen. Dan is het altijd wat zoeken, hoe gaan we dat oplossen. Dus we dachten een goede oplossing gevonden hebben met Sven daar aan te zetten.
En dat liep aanvankelijk nog wel goed, maar uiteindelijk krijgen we Texel helemaal op de neus, hè, door een balverlies en een geweldige goal van Lafont, waar je machteloos tegenover staat. Dus op dat moment was de jus helemaal uit de benen en lopen we hier een derde thuisnederlaag op rij op. Wat natuurlijk verschrikkelijk is om mee te maken, om te beleven. Maar goed, dit is de realiteit, dus we zullen toch verder moeten.